Good morning, allez, Iden est juste aujourd'hui, il est le Nishmat François Maji Ben Chana, Janine Ruth, Bat Fortune, Bazal Fritna, Claude Chambre, Ben Shalom, Ishaïa Ben Linda. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Brachot, Perek, et Mishnah Dalet. Haover Lifna Teva, Loyane, Achara Kohanim, Amen, Mipne, Aterouf, Vimen Sham Kohen, Anahu, Loïsa et Kapav, Vimav Tachato, Shonu, Set Kapav, Vechozer, Lifilato, Rachai. Je traduis directement, vous allez tout comprendre, à Over l'Ifna Teva, celui qui descend, celui qui passe devant la Teva, celui qui doit partir faire la Tefila en public. On a le Shadar Sibor qui va prier en public, il va faire la Chazrat Hashatz, la reprise de la Amida, une fois qu'on a fini de faire l'Amida, le Shadar Sibor la reprend en voix haute. Eh bien, lorsqu'il va arriver ensuite à la Birkat Kohanim, Lo Yane Achara Kohanim, Amen, il ne répondra pas après les Kohanim, Amen, il est dispensé de répondre après les Kohanim, Amen, pourquoi ? Mais Pené Aterouf à cause de. Je n'ai pas le mot exact pour dire le. À cause du brouillement, du trof betim. C'est-à-dire qu'il va avoir des esprits. Il risque de s'embrouiller, en un mot. Il va s'embrouiller. D'accord ? C'est-à-dire, tu vas commencer à dire Amen. Après, tu ne sais plus où t'en étais. Reste concentré, toi, tu dois prendre tous les mots de Birkat Kohanim. Yavarechecha Hashem Vishmerecha. Yaer Hashem, tu gardes ton doigt sur le livre. Tu dis de manière concentrée, de manière à ce que tu ne te trompes pas. D'accord ? Afin que donc tu es dispensé de répondre Amen. Mieux que ça, Vimen Sham Kohen Elahu, s'il n'y a pas d'autre Kohen que lui, on a le seul Kohen de la Beth Knesset, on l'a invité à faire Chaliar Sibour, c'est lui qui doit faire la Tfila. Et peut-être que même c'est le seul qui est capable de prier, peu importe. Alors dans ce cas-là, Loïsa est capable, il ne pourra pas faire la Birkat Kohanim. D'accord ? Et je continue la dernière phrase, comme ça après on résume tout en même temps. Par contre, s'il peut nous assurer qu'il va faire la Nesiut Kapaim, faire la Birkat Kohanim, Nesiut Kenoset Kapav, c'est qu'il lève les mains, parce que le Birkat Kohanim, on fait avec les mains en haut. Par contre, s'il peut nous assurer que, vous inquiétez pas pour moi, je vais réussir à faire la Birkat Kohanim, et après je reprends le cours de Matfila. Alors dans ce cas-là, Rachai, il aura le droit. Donc, je reprends. On est en rapport un petit peu avec la mission précédente, on avait vu le Chaliar Tzibour qui doit ne pas se tromper. Là, on va maintenant, dans notre Mishnah, nous parler de précautions à prendre pour ne pas que tu vas te tromper toi-même. Avec deux précautions. D'abord, lorsque tu fais la Birkat Kohanim, c'est toi qui dois lire à votre la Birkat Kohanim, tu ne réponds pas après le Kohanim Amen. Tu es dispensé, comme ça tu vas te concentrer dans ta bracha. Et si toi-même t'es Kohen, tu ne feras pas la Birkat Kohanim. Alors quoi, il n'y aura pas de Kohen, tu continues Sim Shalom. Il n'y a rien à faire, tu continues. Parce que c'est trop important que si jamais tu vas plus réussir à finir ta tefila, c'est bien plus embêtant et même on ne voudra pas faire monter quelqu'un d'autre à la place parce qu'a priori il faut que tu sois la même personne directe, donc tu ne feras pas la Birkat Kohanim. Si toutefois tu peux nous assurer que tu es capable de faire la Birkat Kohanim et reprends ta tefila, tu n'as pas peur, tu n'es pas trop ému en public, tu réussis à gérer la situation sans aucun problème. J'ai déjà vu fréquemment déjà l'air Sibour monter. Des chaleurs, c'est pour Cohen, et il s'arrête à Toshim Chol Chanaï le Hodot, et puis il fait ensuite le Birkat Kohanim. Et quelqu'un d'autre de l'Assemblée va lui dire il y a Yavarecha, comme ça il va répéter Yavarecha, Hachem, Hachem, Vishmerecha, Vishmerecha. Parce que si c'est quelqu'un qui est capable concrètement de s'arrêter en pleine à Toshim Chol Chanaï le Hodot, il se relève, il met le Talit, il dit bon, Hachem, il se retourne, il fait le Racha sur les gens qui sont là, devant lui. Il faudra que les gens ils aillent derrière lui. Les Ashkenaz, c'est plus facile, parce que les Ashkenaz, ils mettent le standard à côté du Echal, donc il est déjà en avant de la Beth Knesset. S'il est le seul Kohen, il n'aura pas de problème de le faire aussi, s'il veut de cette manière. S'il est certain qu'après, il pourra reprendre le cours de cette fille-là. D'accord ? Sans aucun problème. Yassem, Necha, Shalom. Tout le monde il répond Shalom, tout le monde répond Amen. Lui, pendant ce temps, il se retourne et il reprend le cours de cette fille-là sans problème. S'il est capable de le faire, mais qu'il le fasse, il n'a pas de problème. D'accord ? Et il y a une petite raison aussi. Idem aussi, comme ça, ça a apporté, ça, je ne l'ai pas vu en préparant le cours, mais il en va de même aussi s'il est capable de. S'il est aussi capable de répondre Amen au Kohanim, il pourra aussi répondre Amen au Kohanim, à la Birkat Kohanim pour le début de la mission aussi. S'il est sûr qu'il ne va pas s'embrouiller, s'il suit avec un livre qui garde le doigt, il peut répondre Amen. Précision très importante. C'est que même lorsqu'on répond Amen après les Kohanim, après Yorichecha Hashem, mais sur la bracha des Kohanim elle-même, le Chaliar Tzibour ne répondra pas Amen. C'est-à-dire qu'un Kohen il va dire la bracha de Avot,
אשר קדשנו במזוותו של אהרון ונציוונו לברך את עם ישראל באהבה, alors le Kohen, le Shaliach Tzibur ne répondra pas Amen à cette bracha, ça c'est d'après tout, on n'a pas le droit de répondre, c'est un effet dans la tfila. Il ne faut pas s'interrompre dans la tfila parce que ce n'est pas une bracha qui fait partie du cours de la tfila. Si vous voulez un exemple, imaginez que le Kohen, pour pouvoir faire la bracha du Kohen, il va mettre un talit, il va faire la bracha sur le talit. Le Shaliach Tzibur ne va pas lui répondre Amen en plein Amidat, hein, t'es occupé dans ta Amidat, toi, tu n'as pas le droit de répondre Amen à n'importe quelle bracha, sur n'importe quel verre d'eau ou bien sur le talit. Il y a aussi sur la bracha de Birkat Kohanim, le Shaliach Tzibur ne répondra pas Amen. Par contre, lorsqu'il commencera à Yevarechecha Hashem, alors, s'il est sûr qu'il ne peut pas s'embrouiller, il aura le droit, concrètement, de répondre aussi Amen à Birkat Kohanim. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de la Sfarakol, tout ça.